Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une tentative aujourd'hui de filmer avec le caméscope. Tout à l'heure, je dois recommencer les vidéos parce qu'elles se sont coupées en deux. Alors, je vais essayer de faire une vidéo rapide. J'ai pas compris, alors peut-être que c'est dans les réglages que j'ai fait une bêtise. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On va attaquer les produits terminés sans perdre de temps et puis on y va. Alors, j'ai terminé difficilement l'eau micellaire hydratante de la marque Sève. Vous savez que je n'aime pas particulièrement cette marque. Je l'ai terminée carrément sur le cou et le décolleté. Je n'aimais pas spécialement. Je ne la rachèterai pas. Je vous ai fait une vidéo sur les produits Sève que j'avais utilisés justement en vous disant pourquoi. J'ai terminé un lait démaquillant fraîcheur, démaquillant assoupli la peau pour les peaux normales à mixte de chez Cosmia. Alors, il était pas mal. Seul problème, c'est que moi, je trouvais qu'il me piquait les yeux énormément et puis je le trouvais assez liquide. Il avait une odeur agréable, je veux dire, il faisait son job, c'est pas ça. Mais ce sera quand même pour les maquillages légers et pour celles qui ont un démaquillage spécifique pour les yeux. Autrement, ne l'utilisez pas pour les yeux. Alors, le racheter, non. Parce que je vais prendre quelque chose de plus cool. J'ai terminé difficilement sur 2 années une bébé crème de chez Rimmel, la 9 en 1, le Swim Perfecting, le Super Perfecteur de teint, tant qu'à faire. J'ai mis beaucoup de temps à le terminer parce que je l'avais pris dans la teinte médium. Je l'avais prise dans la teinte médium, alors ce qui fait que j'avais un peu de mal. Hein. Il fallait que je le mélange avec la crème de jour et c'est pas évident. Donc la reprendre, non, parce que de toute façon, je préfère une que j'ai là de chez Avril. Enfin, c'est un fond de teint que j'ai de chez Avril. Je trouve qu'il fait son travail. Donc écoutez, moi j'ai pas besoin de plus. Ensuite, j'ai terminé le Pore Refining Primer de la base lissante anti-pore de chez L'Oréal. Alors c'est une petite base que j'avais appréciée vu que quand j'avais envie de me mettre des bases pour le visage, pour le fond de teint et bébé crème. Seulement non, après je ne suis pas tellement attirée par ce genre de produit. Elle a fait son travail. C'est une des trois bases que j'avais utilisées qui était la plus efficace. Celle-ci, si j'avais d'en racheter une, je prendrais celle-ci. Mais je ne suis pas très attirée par ce genre de produit, donc non, j'ai pas envie de la reprendre. Ensuite, je me débarrasse d'un mascara vert un peu flash de ces Mickey que j'avais acheté chez Action. Voilà. Honnêtement, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Je sais pas, j'en avais vu sur internet, j'avais envie de l'acheter pour histoire de voir un petit peu ce que ça faisait, mais ça m'intéresse pas. C'est flash, c'est. En plus, ça n'a pas du tout la même couleur que le capuchon, que le pot là, enfin le tube, vous m'avez comprise. C'était un vert-vert alors que moi j'aurais préféré un petit turquoise. Ouais, voilà. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, je ne les reprendrai pas. J'ai terminé et je vous conseille la Sien Nature, la crème pour les mains qui était vegan à la grenade et au baies de goji de chez Sien. J'en étais plutôt contente. Elle est douce, elle est bien hydratante, elle est nourrissante. Moi, je la trouvais bien. Pour celles qui aiment se masser les mains pendant un petit moment, elle est très bien, elle ne rentre pas de suite. Et puis, bon, vous avez un bon format de 75 ml, c'est plutôt intéressant. La racheter, non, parce que j'en ai d'autres et j'aime bien essayer des crèmes pour les mains. En parlant de crème pour les mains, j'ai terminé aussi celle de l'Occitane dans la pivoine Flora. Voilà. Vous voyez, il ne reste plus grand-chose, hein. Mais peut-être juste aujourd'hui, hein, et encore, c'est tout. Parce que là, c'est appuyé quand même. Hein. Oui, c'est une crème que je me rachèterai parce que j'aime énormément pivoine. Je me parfume aussi avec pivoine. J'ai le lait de corps pivoine. Je sais, c'est pas bio. Oui, je sais. Mais c'est une exception que je fais pour pivoine parce que j'aime trop. Et puis, par contre, elle est très bien. Mais, elle est très fluide. Attention, on dirait presque un lait pour le corps, cette crème.
Et elle est extrêmement parfumée. Donc, si vous l'utilisez, ne mangez pas après parce que vous allez carrément avoir les aliments qui vont sentir pivoine. Donc, ben, rachetez, oui, ben, oui, à l'occasion, dès que j'y tombe dessus, je me la reprendrai. J'ai terminé un contour des yeux sève dans la ligne sève de bambou de chez Herborian. Alors, clairement, tout ce qui était noté dessus est à moitié parti. Hein. Moi, je la recommanderais, cette crème. Enfin, c'est un gel, exactement, c'est un gel transparent. C'est un gel qui est hydratant, mais qui est aussi matifiant. Alors, quand vous n'avez pas de ridules sous les yeux, c'est agréable parce que ça vous maintient la lentille cerne ou quoi, c'est bien. Mais seulement après, quand vous avez 56 ans comme j'ai, vous avez des ridules qui sont un peu marquées avec le côté matifiant. Autrement, oui, ça hydrate, mais pas suffisamment pour le contour de mes yeux. Et voilà. Moi, je le conseille aux jeunes filles, plutôt aux jeunes femmes, celles ou celles qui n'ont pas un contour des yeux qui est très très déshydraté. Là, ça pourra le faire, parce que la ligne bambou est faite pour les peaux mixtes à grasse. Donc, ben voilà, c'est un petit peu le complément. J'ai terminé, vous allez voir ce qui reste, le make-up base Illuminating de chez Max & More, c'est un primer, mais clairement, voilà, il a un peu durci, on va dire, et j'ai beau le secouer, il n'y a rien qui... Quand je pompe, il n'y a plus rien qui vient, si je le défais, c'est un peu dur, c'est un peu... Non, non. Non, elle m'a bien servi, c'était la toute première base que j'avais utilisée, j'en étais contente, ça m'a donné un petit coup de frais. Oui, si vous la trouvez, pourquoi pas. Faites attention aux peaux grasses quand même l'été, ça risque de vous donner un glow ou de briller un petit peu et c'est peut-être pas top top. Ensuite, j'ai terminé un mascara essence. Mon Dieu, c'est rare que je termine un mascara. Le maximum définition volume mascara avec une brosse flexible qui était en silicone. Une petite brosse comme ça, là, qui est toute molle. Hein, qui est toute molle, qui est pratique, il accrochait bien, voilà. Ça n'a pas été celui que j'ai préféré, honnêtement, de tous les mascaras essence que j'ai essayé. J'en ai un autre que je trouve plus performant. Mon mascara préféré, c'était quand même le Lash Princess qui était vert, celui qui n'était pas waterproof. Le waterproof, je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. Soi-disant qu'il conservait encore plus la courbure, alors donc c'était génial. Pourquoi pas le prendre un jour? Mais le waterproof, moi, pour mes cils qui sont délicats, malheureusement, j'ai peur que ça les abîme. Alors, je ne sais pas. Je pourrais vous le conseiller, oui, si vous aimez un petit mascara sympa, sans un effet époustouflant, il peut le faire. Je jette ce crayon colle de chez Max & More parce que, clairement, même s'il était avec le petit taille-crayon, le petit truc pour estomper, quand je le sors, il s'aplatit. Dès que je le pose, il s'aplatit. Il est tellement mou qu'ensuite, parfois, il me fait des petits bouts qui rentrent dans les yeux. Je suis toute la journée en train de m'enlever des bouts de colle qui ont cassé de l'embout là et de la mine et qui sont rentrés dans mes yeux. Alors donc, non, ben non, je reprendrai pas ce type de produit. C'est dommage parce que j'aime bien ceux qui se twistent par rapport à ceux qui se taillent. Mais bon, voilà, on fait avec. Hein. J'ai terminé le Merci Andy, le Holy Mint pâte dentifrice. J'ai bien aimé, ouais, j'ai bien aimé. Le racheter, non. Mais par contre, celles qui préfèrent le goût de la menthe poivrée, de la véritable menthe dans un dentifrice plutôt qu'une menthe, la menthe blanche, là, vous savez, qu'on a dans un dentifrice conventionnel qui est un petit peu plus pétard, un petit peu plus forte, vous pouvez vous diriger vers ce dentifrice-là, il est pas mal. Moi, je trouve qu'il sent la menthe poivrée de mes huiles essentielles. Ça se rapproche plus de la véritable odeur de la menthe, ce Merci Andy-là, que les dentifrices conventionnels, on va dire. Donc, alors, avis à celles qui préfèrent les goûts plus naturels, celui-ci peut peut-être faire l'affaire. Autrement, y nettoyer les dents comme un autre dentifrice. Voilà. J'ai terminé difficilement parce que je sais pas.
Ah, il en reste un petit fond, mais je veux plus le mettre. Dans la ligne contouring, le spray fixant pour le maquillage de la ligne de Sien. Non, j'ai pas aimé ce truc. Je me mettais du butane là sur la. Non, j'avais l'impression d'avoir un film, un truc filmogène sur le visage. Et puis moi, je trouve que ça me tenait pas spécialement le maquillage en place. Et même à la limite, ça me faisait briller la peau. Donc ça ne m'intéresse pas. On arrive au dernier produit avec un lait pour le corps Baija, le Festin Royal Crème au Corps Miel Caramélisé. C'est un format 25 ml que j'avais eu dans une Birchbox. J'ai bien aimé, oui, pour le côté hydratant. J'ai moins aimé l'odeur et j'ai été étonnée justement de ne pas aimer l'odeur parce que ben, moi j'aime le miel, j'aime l'odeur du caramel. Mais les deux mélangés là, au sortir du pot, du tube, ça me plaît. Mais une fois posé sur ma peau, ça me plaisait moins. Je sais pas, ça, j'avais l'impression que ça virait et j'ai pas aimé donc au final l'odeur au bout de 10-15 minutes sur ma peau, ça me plaisait pas. Alors je l'ai fini difficilement, mais bon, je l'ai fini sur mes mollets, mais au moins je l'ai fini. Voilà, écoutez, je la rachèterai pas bien sûr hein, parce que l'odeur me plaît pas. Après, Baija, je sais pas, peut-être que, mais je suis pas attirée par les trucs trop parfumés, je ne suis pas trop attirée, à part si c'est dans la ligne du parfum que je mets. Par exemple, si je mets Angel, ou si je mets le numéro 5, ou si je mets Pivoine, ou si je mets un truc de chez Yves Rocher, je ne sais pas. Oui, je prendrai le lait qui est assorti au parfum, peut-être, oui. Voilà. Mais après, des laits parfumés ou des crèmes parfumées, non. J'ai terminé enfin, oui, juste pour vous dire, nous on est beaucoup ensemble à la maison, j'ai terminé le Spiritual Guide, j'adore ce petit ensemble, je le trouve magnifique, il a une odeur de dingue, il est fin, il est très 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 agréable à sentir, à brûler, c'est un régal, et nous on aime bien purifier notre maison avec des encens, et bien sûr une bonne aération des pièces. J'accélère parce que j'espère que ça ne va pas couper. Je vous fais de très 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 gros bisous. Merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Dites-moi en commentaire si l'effet caméscope aura été concluant pour vous au niveau son et au niveau image. Moi en attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle soirée. Prenez bien soin de vous. Ciao.